Coucou les filles, alors je reviens avec une nouvelle vidéo box pour vous présenter ce coup-ci My Little Box qui ce mois-ci est My Little Sunset Box. Donc, alors, zut, si il est là. Alors, comme d'habitude, quand on ouvre le colis, nous avons un petit mot dedans. Donc là, c'était Enjoy every sunset. Look forward to every sunrise. Voilà. Je trouve ça trop mignon. À chaque fois, je les garde. Je trouve ça trop chou. Enfin bon, c'est moi, hein. Un peu n'importe quoi. Donc, je voulais le montrer à la va-vite, mais regardez ce magnifique dessin de Kanako. Je trouve qu'elles sont de plus en plus belles, les box, ces derniers temps. Elles sont vraiment trop jolies. Moi, j'aime trop. Enfin bon, voilà, hein. Comme d'habitude, je m'extasie pour rien. Ensuite, quand nous l'ouvrons, nous avons le My Little World. Donc, je vous avoue que je ne l'ai pas du tout feuilleté. Je ne peux pas vous dire ce qu'il contient. Désolée. Mais bon, il y a encore des DIY, des recettes, des trucs sur la mode, etc. Enfin bon, un peu les mêmes rubriques que d'habitude, sauf que je ne sais pas, oups, ce qu'elles contiennent. Voilà. Donc, comme d'habitude, bon, je vous le présente pas, mais enfin rapidement, le petit ruban My Little Box, qui est le même que celui du mois dernier. Enfin bon, je m'en fiche un peu, il est rose. Moi, ça me va, je le garde. C'est parfait. Donc, quand nous ouvrons, nous avons des petites cartes postales dessinées par Kanako. Donc, bon, bah, moi, je viens de rentrer de vacances, donc dommage. Mais bon, vu que elles sont de cette texture-là, je pense que accrochées, elles pourront faire très bien l'affaire. En plus, je les trouve super sympas, très girly, rose. Enfin, de toute manière, les dessins de Kanako, moi, j'aime bien. Donc voilà, bah, je pense les garder et les afficher, ça sera relativement mieux. Donc ensuite, ils nous avaient fait une petite pub en nous annonçant que nous allions avoir un bijou by Médecine Douce. C'était l'invité de ce mois-ci. Donc on s'est présenté. Bêtise, bon, tant pire, tant pire, tant pire. Voilà, donc c'est présenté dans un petit écrin comme ça, que je trouve tout à fait mignon. Donc, hop, et moi, mon bracelet, il est comme ça. Donc, avec des petits fils dorés, noirs, blancs. Je trouve ça tout à fait sympa. Et à porter, ça va avec tout du fait de ses couleurs. Bon, j'aurais bien aimé avoir d'autres couleurs, mais celle-ci, je me dis qu'elle est vraiment passe-partout. Ça fait un peu moins vacances, parce que il y en a qui ont eu des verts, des rouges, enfin, c'est plus des couleurs estivales. Ça, c'est un peu plus terne, mais bon, je pourrais le porter toute l'année, ça va avec tout. Je trouve ça super sympa. Je me le mettrai tout à l'heure, parce que si je vous le mets à la caméra, dans 3 heures, on n'y est pas rendu, parce que je suis pas très très douée. Voilà. Donc, ensuite, nous avons un jeu de cartes de My Little Card. Donc voilà, je l'ai pas déplié. Ouais, si je peux vous le faire. Sauf que je suis encore pas très douée. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Ah si. Bon. C'est pour voir un peu les dessins. Comment ils sont faits. Mais bon. Hop. Alors, donc. Ah, tiens, je viens de tomber sur une reine. Elle est super sympa, la reine de cœur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Regardez le couple. Hop, de pique. Donc, c'est super sympa, moi, je trouve, ces petits dessins. Et alors là, c'est super original. Et ça, je connaissais pas. Joker, on a une femme et un homme. Si c'est pas super cool. D'habitude, c'est que des messieurs. Hein. On ne sait pas pourquoi. Bande de sexistes, bande de sexistes. Et voilà, nous avons les deux. Walou, walou. J'ai envie de dire Girl Power. Walou, walou. Donc voilà, c'était juste pour montrer les petites cartes. De manière, un jeu de cartes, ça sert tout le temps, hein, j'ai envie de vous dire. Et vu que c'est dessiné par Kanako, c'est encore trop cool. Je vais trop jouer aux cartes, quoi. Ça me donne trop, 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 trop envie. Bon, je n'arrive pas à le refermer. Je ne vais pas le refermer, sinon on n'est pas rendu les paupiettes. Donc ensuite, nous avons
le petit pochon. Ce pochon qui est le même aussi que le mois dernier, mais vu que je le trouve méga trop cool, je m'en fous trop quoi. Je suis trop open pour le garder parce que je les aime trop. Ça me sert trop à faire plein de petits trucs. Tu vois le bric-à-brac que t'as tout le temps sur ton bureau? Pim, là-dedans, ni vu ni connu, allez où? Et après ta mère elle peut pas te dire t'as ta chambre qui est en bordel. C'est caché. Donc, fini les bêtises. Donc le petit goodies My Little Beauty du pochon, c'est un baume à lèvres. Alors, ce baume à lèvres, moi j'ai déjà ouvert la box avant, hein, je vous le cache pas. J'avais lu dans des rubriques que des filles avaient galéré à l'ouvrir. Alors, je sais pas comment vous faites. Parce que clairement, moi j'ai réussi du premier coup. C'est exactement pareil niveau packaging que ceux de Yves Rocher. Donc, c'est aussi bête que ça. Tu prends la tête et tu tournes. J'ai pas galéré une seule seconde. Et hop, voilà, avec le petit truc. Alors moi je trouve ça parfait parce que dans une poche où il y a toujours de bric-à-brac interminable, et ben ça rentre. Et en plus niveau packaging, je trouve super cool. Donc voilà, on en a pour 4 grammes. Et c'est juste, voilà, c'est juste parfait moi je trouve. Donc je sais pas comment les filles vous avez fait. Moi je trouve ça parfait. En plus c'est super top un baume à lèvres parce qu'on en a toujours besoin. Les filles qui disent que les baumes à lèvres c'est juste pour l'hiver, je ne les comprends pas. Parce que l'été, bah on a aussi les lèvres gercées à cause de la mer, etc. Donc bah moi j'en ai tout le temps besoin. Personnellement j'en utilise toute l'année. Alors les baumes à lèvres. Je sais pas si je vous ai bien montré. Il n'a pas de couleur, il est totalement. Il est blanc. Hop, voilà. Donc bah moi je vais plus utiliser pour la nuit du coup parce que j'aime bien avoir des baumes à lèvres teintés pour mettre un peu de couleur dans ma tenue parce que sinon je trouve que ça fait un peu trop pâteux. Donc c'est pour ça que je préfère le mettre pour la nuit. Vu que moi je mets un baume à lèvres toute la journée, j'en mets le jour et j'en mets la nuit parce que si je suis malade ou quoi que ce soit, je me réveille avec les lèvres gercées, j'aime pas. Et donc je préfère de ce fait en mettre la nuit pour me réveiller avec les lèvres toutes douces. Ou alors on a les petites peaux qui partent, on a juste à frotter avec un peu d'eau. Ça part tout seul, c'est super. Donc voilà, donc là vous avez un petit, enfin le petit prospectus concernant My Little Beauty, donc ce baume à lèvres. Ensuite nous avons derrière un gel exfoliant. Hop, fraîcheur de corps Leno. Donc nous avons le full size qui est juste ici. Donc moi déjà je trouve ça super cool. C'est un exfoliant à la pomme. Donc bon, j'ai un peu le nez bouché parce que on est au mois d'août, il fait 10 degrés, on va comprendre. Mais oui, ça sent la pomme, c'est super cool. Donc moi j'ai aucun souci avec ça. En plus, il n'y a pas de parabène, c'est marqué là, sans parabène. Bon là, vous n'allez pas très bien voir, c'est normal. Mais donc, c'est super. Moi, j'essaie d'utiliser les produits sans parabène, malgré que ça soit très dur d'en trouver. Donc lui, c'est super génial. Et pour se refaire une petite peau au top après tout ce qu'elle a enduré durant les vacances, il n'y a rien de mieux. Et enfin, pour terminer, alors là, c'est le must, moi je trouve, malgré qu'ils sont légèrement plantés. Bon, c'est un produit L'Occitane, donc vous voyez, comme ça. Je trouve que la contenance suffit, hein, il n'y a pas besoin de grand-chose. Je vais vous l'ouvrir, hop, je l'avais légèrement ouvert, hop, c'est comme ça. Donc voilà, c'est crémeux, c'est une crème. Elle s'appelle la crème précieuse immortelle. Donc par contre je crois qu'ils sont un peu plantés My Little Box parce que la gamme L'Immortel je crois que c'est pour les peaux matures. Donc je donnerai à ma mère si jamais perdue hein. Moi je pourrais toujours tester parce que j'ai l'impression qu'elle est super crémeuse et super hydratante. Mais je crois que c'est pas du tout pour les peaux comme moi, j'ai 20 ans, bah c'est pas du tout, ça me concerne pas. Mais n'empêche que je trouve ça super cool d'avoir un produit L'Occitane dans une box. L'Occitane, on le sait toutes, c'est pas donné du tout. Ça coûte trop cher. Donc moi je trouve ça vraiment top.
Donc voilà, en conclusion, cette box, eh ben, je l'ai trouvée super cool. Rien que en la soupesant à la base, je l'avais trouvée super lourde. Parce que bah forcément, rien que le gel exfoliant Leno, bah, c'est du 150 ml. Donc ça fait une petite masse. Et puis je sais pas, je la trouve sympa pour une petite box d'août. Déjà que maintenant ils font des box en août, je trouve ça super cool. Les cartes à jouer, ça sert tout le temps. Le baume à lèvres, c'est super utile. Leur petit partenariat avec Médecine Douce est super top parce que, enfin, ils sont pas du tout plantés. C'était vraiment parfait. Les petites cartes, je trouve ça super sympa. Papier glacé, enfin, c'est super. Donc voilà, moi je suis tout à fait ravie de cette box et je vais continuer, je vais rester abonnée et je compte pas me désabonner de sitôt. Sauf si j'ai une grosse déception, mais pour le moment, My Little Box et ma box phare, ma box préférée. J'ai testé Birchbox qui est bien, mais c'est trop des miniatures et puis enfin. Ça tourne en rond, je trouve. J'aime pas. Enfin, j'aime bien, mais. Enfin, c'est ma deuxième, on va dire. La Sweetie Box, c'est bien, mais sans plus. Moi, je trouve qu'ils abusent un peu. Surtout que celle de juillet est arrivée début août. Et à un moment, stop. Ils ont fait des partenariats qu'ils avaient déjà eu avec d'autres box. Enfin, c'est. Je sais pas quoi dire. C'est pas super top. Donc voilà. Moi, My Little Box, c'est la préférée. Après, c'est celle qui coûte un peu plus cher, c'est vrai. C'est pas le même budget. Mais moi je trouve que ça en vaut la peine parce que qu'est-ce qu'il disait là? Oui, enfin voilà, rien que le gel exfoliant il coûte 9 euros. Bon bah voilà, enfin je sais pas combien coûtent les choses à côté, mais ça fait déjà la moitié du prix de la box. Bon bah moi je trouve ça tout à fait rentable. Donc je suis entièrement satisfaite. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos parce qu'il y en a plein qui sont en préparation. J'espère que la rubrique vous aura plu. Si vous avez des trucs différents dans vos box, n'hésitez pas à me le dire. Ou la couleur de vos bracelets ou d'autres parce qu'on n'a pas toutes reçu des bracelets. Je crois qu'il y avait d'autres choses dans le teaser qu'ils avaient fait. Il y avait des colliers, je crois, des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à me montrer. Ça m'intéresserait. Pour le moment, j'ai vu que des filles qui avaient reçu des bracelets. Donc pourquoi pas si vous avez été chanceuse d'avoir autre chose. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, bisous bisous les filles.